What's up, journée internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Sur le pour une nouvelle vidéo sur Irisé les amis. Et aujourd'hui on est sur la map numéro 3 les amis. La map numéro 2 qui a pas été un franc, bah il était un franc succès, mais qui a pas duré longtemps, c'est ce que je voulais dire. Donc en gros, ouais, nouvelle map aujourd'hui. J'ai commencé aujourd'hui, donc comme vous pouvez voir, je suis en train de farmer à mon spawnure que j'ai finally trouvé. En fait, il y en a, c'était vraiment long de trouver. Enfin, depuis l'ouverture, je cherchais un spawner, puis là, je l'ai en fait trouvé. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai été dans le Nether. Ça, vous allez avoir les séquences tout de suite après. Je fais juste un petit intro avant. Donc, en gros, premier jour, ça va être quoi, disons, qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, comme vous voyez, début des champs. Ensuite, on va commencer à faire des potions de heal. Comme vous voyez, avec ça, ballon 7e hors Golden Nugget, ça va être notre but. On voit aussi, ben j'ai miné beaucoup, comme vous voyez, j'ai un full diamant, P2 avec T1, U1. J'ai aussi un autre plastron ici, un peu de diamant, il me reste seulement un diamant. Ouais, j'ai un full gold, wow, excusez, je suis un peu fatigué, il est un peu tard chez moi. J'ai un full gold, deux full fire, bon, parce qu'on était deux à miner. Dans ma faction, il y a Fastkill, Exilo, c'est des factions de 10 seulement. Donc voilà, je sais pas, lui c'est un big sub, je sais pas. Donc ouais, pour l'instant j'ai décidé de faire ça, ensuite on va faire une base à la surface, parce que vous allez pouvoir faire une boîte à dons, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez tout. Donc il y a certains trucs qui ont changé de l'ancienne version. Donc je vais essayer de vite fait vous montrer ça, je vais juste faire quelques coffres en plus, pour mettre la merde en fait, parce que bon, on sait jamais quoi. Ça peut toujours être utile, donc ça, puis on va mettre la marde ici, donc voilà, oh ça c'est pas de la marde, ça c'est très très bon même, on en a juste pas beaucoup, c'est ça le souci, donc voilà. Donc pour vous expliquer un peu les nouveaux trucs, c'est qu'en fait cette map ici c'est pas juste du P1, P2, P1, c'est du P2, U3, Sharpness 2, et du Power 5, Infinity 1, et Sharpness U3, excusez, Infinity 1, Sharpness, whatever, vous avez compris, calice là. Et puis en fait, moi j'ai déjà un Power 4, donc très puissant, j'ai mis une flèche dans le Nether, enfin vous allez voir, j'ai tué les one-shot, les gars, c'est tout, puis ouais, c'était quand même stylé, il y a plusieurs autres trucs qui ont changé, on peut maintenant revivre des amis, donc quand vous êtes le grade légende, vous pouvez revivre un ami, puis vous avez un cooldown dessus, donc par exemple, je sais pas, attendez là, c'est quelqu'un qui est mort dans le chat, vite fait, quelqu'un a un pote de mort que je peux revive. Juste pour voir qu'est-ce que ça donne les amis. J'ai pas d'amis, moi. Lion. Son pseudo. Revive Link. Let's go. Voilà. Donc en gros, comme ça. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est revive. Cool down. Puis là on peut voir, je peux l'utiliser à toutes les 5 heures. Ça c'est vraiment cool les amis. Quand vos potes meurent, etc. Là, je voulais juste le faire pour la vidéo dans le fond. Mais en gros, c'est ça qui arrive, en gros, vous pouvez revivre des gens et tout, ça je trouve ça vraiment cool, parce que ben, tu sais, quand on a des amis de mort et tout, pis tu sais, y'en a qui supportent le serveur, etc. Par exemple, toi, je vais t'ignore, excuse-moi, ignore, it's coke, my bad homie, spammez-moi pas s'il vous plaît, sinon je vais paniquer, je vais faire comme it's Alex, so voilà, ça a marché, voilà, c'est juste pour tester, juste voir si ça marche et tout, ok, super. Super, donc voilà, c'était juste pour tester pour vous. Même si Lyon, il dit qu'il met nos potes sur c'était le serve, c'est pas très gentil, mais bon. Voilà, quoi, je suis gentil, moi au moins. Moi, je suis pas rancunier, les copains. Donc voilà, j'essaie avant que tout le monde me demande le pack, c'est le Toxic 32 by Dual ZZ. Pack super beau que j'utilise en ce moment. Comme vous voyez, j'ai plein de packs aussi. Comme vous pouvez voir, j'ai plein de... Hop là, j'ai plein de packs. Si je vais faire un pack folder, j'ai essayé d'aller assez rapidement pour vous montrer. Je vais faire un pack folder. So, voilà. Donc voilà. C'est pas mal tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Les amis, je vous laisse sur des best moments qui sont arrivés dans le Nether. Et puis voilà, un petit épisode pour commencer, les amis. On vient d'arriver sur le serveur, moi Exilo. Avec il y a Fastkill qui m'a aidé à miner vite fait. Mais bon, je pense pas qu'il va rester sur le serveur. Il joue plus à Minecraft trop. Donc voilà, on va vite fait, comme j'ai dit, récolter la canne à sucre, récolter les trucs qu'on a. Et puis on va commencer à faire des potions. Puis on va essayer de vous présenter.
proposer du PvP le plus rapidement possible. Je vais juste... Whoopala, je me suis gouré de chest pour ça. Whoopala. Voilà, j'ai aussi un peu de glowstone. Enfin, vous allez voir qu'est-ce que j'ai récupéré dans les deux. J'ai 20 packs de textures différents. Parce qu'au début, je pensais qu'il y avait des trucs buggés, etc. Mais bon, je vais essayer de vous garder les meilleurs moments. Et puis, je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc voilà, j'espère que la vidéo va faire plaisir. J'espère qu'on atteindra les 100 pouces bleus, les amis. C'est un petit défi aujourd'hui que je vous lance. Si vous êtes capable de l'avoir, les amis, ben je vous ferai gagner des petits items, des trucs comme ça. Si jamais j'en ai, je choisirai un abo. Savez-vous quoi? Je vais faire un revive. Donnez, si vous êtes mort, ok, laissez un pseudo dans votre commentaire, dans les commentaires, puis j'essaierai de vous revive ou quoi que ce soit. Tu sais, tout de suite après la vidéo, genre quand la vidéo est postée, des trucs comme ça. Genre, laissez vos pseudos, puis j'essaierai de donner des revives dans le chat à chaque fois qu'on atteint les 100 likes. Comme ça, ben c'est cool pour vous, cool pour moi. Donc voilà, c'est good pour vous. Sur ce, mon ami, I love you, Hachi, je te réponds. L'épisode est maintenant. Et puis on se retrouve très bientôt, les amis, avec les séquences dans le Nether. A tout de suite. Ici, je vais faire attention pour pas qu'il y a quelqu'un là. Oh oh. Je suis full, j'ai un arc P4. Faudrait que je vois si lui il est quoi, stuff quoi. Comme ça, ça nous met un full invisibilité. On a vu son pseudo, sur lui il est pas invisible, ça c'est sûr. Comme j'ai dit, nous on a peut-être l'avantage du fait qu'on est full diamant P1, P2 et pas lui. Oh, on est direct dans une forteresse en plus. Il est juste là le gars. Il doit stresser de la mort qui tue. Ok, il faudrait pas qu'il ramène ses amis par exemple. J'ai vu qu'il était full faire enchant. J'ai dû le faire quand même pas mal mal avec mon affaire. Faut pas que ce soit une trappe quand même. Oh! Ouf, c'était peut-être une trappe. Peut-être pas. Il y a un spawner à golem en haut. Fuck you. Oh my god. Je suis tellement cave là. Je suis tellement éclaté là, c'est clair. Oh, ça c'est Mountain Glowstone. Ça c'est une montagne de Glowstone. Ok. On prend des blazes, on va à montagne de Glowstone et puis... puis on devrait être good les amis pour un petit bout. En fait, ça nous prendrait peut-être une dizaine de Blaze Road. Puis on devrait être bon après avec ça. Ça là, attends, je sais pas trop pourquoi. Ah oui, là tu vois, il dépop. Ok, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, ok, je viens de comprendre. Peut-être le clear lag qui lui fait des pops super rapidement. C'est peut-être ça le problème. Donc, on va aller à Glowstone Mountain. Whatever, comment vous l'appelez ça. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on peut récolter là-bas. Parce qu'on a juste une Blaze Road. Sûrement, on pourrait se faire des potions de speed. Ça pourrait vachement les mieux. Et puis, ça pourrait être intéressant. Il y a peut-être des gens, par exemple, qui voudraient faire attention. On va se mettre en shift. On peut pas vraiment savoir parce que, comme vous voyez, en full diam, on est full invisible. Donc, fuck, j'ai peur. Stick, j'ai peur, man. J'aurais pas dû le taper, mais j'ai paniqué, les amis, pardonnez-moi. Donc, on est à la Glowstone Mountain, à ce que j'ai pu comprendre. Ça, c'est une montagne. Puis, on a l'air d'en avoir plusieurs autres. En gros, ça, c'est juste. Ok, c'est ça. Ok, parfait. C'est ce que je pensais. Juste la Glowstone. On va récupérer, genre, tout ce qu'on peut. Parce que voilà, on a des Tug Life. On va récupérer, genre, 4 stacks. Ouf, je sais pas si tout ce que je vais vous montrer dans cet épisode les amis, mais en tout cas, j'espère que vous allez apprécier l'épisode. Ça va être à chaque fois des best-of, je vais filmer plein de moments, puis je vais peut-être vous garder le best à la fin. Enfin, c'est comme ça que je vais marcher pour les épisodes sur Hérésie, du moins. Donc, j'en ai pas vraiment besoin d'énormément de glowstone, vu qu'on est au début de l'aventure. Ça a l'air ouvert il y a, par exemple, quelques heures, 5-6 heures à peu près. Il y a eu des gros lags au début. Mais là, ça s'est replacé, ça, j'ai décidé de revenir me connecter. Ok, attendez les copains de l'internet là. Je sais pas qui était là.
pas c'est quoi le nom du gars qui était là. Hein. J'ai 4 stacks. Bientôt, on va prendre 4 stacks puis on va se tirer d'ici. On va aller chercher des glaives. Des trucs là, comme j'ai dit. Par exemple, il aurait dû venir en full diam. Ça aurait été plus utile pour lui. What? Là, on n'a plus l'invisibilité avec le full diam. Bizarre. Bizarre. On l'avait tantôt, par exemple. En tout cas, depuis que j'ai fait ça, il spawn plus vite. En fait, ils sont en bas, sti. Lol. Ok. Il y en a 15 en bas. Rip. On peut descendre ici, ouais. On va se rendre jusque sur le bord. Comme ceci, voilà. Je vais ici, on va descendre direct. Ok. Bon, ben au moins, on sait où ce qui se trouve. On se demandait pourquoi ça spawnait pas, les copains. Maintenant, on sait pourquoi. Oh! Shit, j'ai eu peur. Allez, combo. Oh! Easy rec, nos potes! Un petit coup d'arc, et il est disparu. Oh là 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 là. Ils sont où? Ah, ils sont là. Easy. Easy rec. Easy rec. Easy rec. 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 Rec, 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 rec. Oh, oh, un autre. Rec, 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 rec. Oh, voilà. Donc, c'est super, c'est super. La la la. Le cheval, c'est super, c'est super. Ta-ta-da-dum, dum-dum-dum-dum.